c'est une question, parce que c'est une question. Et pas quoi, parce que je pense que la polémique a toujours été au niveau carnaval. Je pense que c'est une polémique qui est toujours allée tellement loin que ça, en termes de prestations live et de albums, etc. Texte non un album, j'aime vraiment basé sur polémique. Je ne pas quoi que c'est ça qui fait ça. Je pense que si on prend le blâme, on peut prendre le personnel. Parce que, conseil de bagaille pour nous défaire, je pour nous vendre l'album à partir de Moving On. Parce que l'album était bien dérapé. L'album était très bien dérapé avec Moving On. Mais je pense que deuxième single là, et troisième single là, je pour nous vendre, je pense que nous si j'en et marqué sous la même stratégie marketing nous etc. So, nous apprenons du bagage à eux, c'est des bagages que nous supposons corriger. Et ouais, même là que l'instabilité politique ici en Haïti, dans le moment, nous te tiens ce que nous venons aujourd'hui. Nous disons bon, on s'est passé, bon temps on l'autre là, ma guitare venu, me dit non. Faut que je vienne parler avec nous, faut que je prendre contact avec nous, faut que je vienne parler nous du travail que nous faisons. Parce que l'important pour nous, l'important pour le business, là, que nous sortions aujourd'hui pour nous venir là, ici, en Haïti, pour nous présenter. Parce que c'est là qui base là. On met des sauves là, mais c'est là la base là. Il so, faut que nous venions descendre dans la base là pour prendre contact à tout le monde, avec la presse en général. Et présenter musique sur nous faire et ça montre qui gens que nous motiver on voit so, et parce que nous web on l'autre gens nous pensons l'autre gens nous avons l'autre mentalité dans le moment nous très à l'offensif so et, hey it is what it is man. Voilà, nous parlons une petite pause, nous retourner après vidéo diffusion vidéo hein, la plage vidéo DJ Fedler. Ok, je vous remercie Fedli. Tout le monde qui l'a vu, compa event, c'est Vlad. So, nous allons diffuser une vidéo. Ça, c'est nous-mêmes qui avons pris là. Donc, nous allons vivre là maintenant. Merci. Lamadé, est-ce que page tu vas ça live? Lamadé. Fabuleuse, tu es live. Tu as diminué la lumière pour nous. Vous commencez, vous faites bien. Nous allons attendre. Le son. Vous avez le son? Testing on tout, microphone check. Vous l'avez? Ok. Testing. Bah, je ne sais pas si vous êtes live lui-même. Par en bas, le nom sous la tête. C'est mieux que sur la tête.
à tout bas, ça me fait une là. On avait dit encore très fort, s'il vous plaît. T-Vice. Merci, guys. C'est la première diffusion, donc c'est ici à commencer avant. Donc, après la presse, que ce soit Télé-Pacifique, Caraïbes ou Guinée nationale, par une chance, Joël, entre temps, je ne sais pas, on a bien passé. Peut-être à la fin, on a fait une reprise. Monsieur, il y a deux trois questions qui vont poser autour de vidéo. Jean-Marie Simon, Lay Production, le PDG. Jean-Marie. Et Jean-Marie, bientôt. Je salue chaque grand confrère la presse qui là. Et bon, c'est toujours un plaisir pour nous rencontrer dans ce genre de situation. Ça, Roberto, encore une fois, je salue. Salut tout. Chef Révolution, je vais mentir dans ça. Respectif. Moi-même, nom Pamti Sanchez Pierre, DJ Radio Surprise FM et animateur vedette couloir musical. Roberto, vidéo à bon. Je vais dire parce que Tivaï est réputé en matière de bonne qualité de vidéo. Ceci depuis dans le temps, c'est pas qu'on y a fait belle vidéo. Quoi, bravo, monsieur, belle vidéo. Et Jazz a fait moi-même tous, je ne question pas maintenant pour toi, musique. Tiens, dis, je salue, je suis bon, ouais. Roberto, tout à l'heure. Musique haïtienne n'a pas dépendu de capitale là seulement. Toute ville de province, moi-même, je suis DG Radio, qui est radio, bon, qui parle, même si c'est la capitale là, mais qui est éloigné de la capitale là. Qui c'est Keskov et province là également chargé de radio qui travaille sérieusement même si les gars ont 5 000 capteurs de radio lié au besoin écoute ça qui plan de base ou plan de stratégie ou gain pour permettre que l'album là et toi musique ça atterri dans ville de province ça parce que on sort dit à l'heure album T-Vice et qui sont passé là c'est très bel album musique vont monter à son bail sérieux mais album n'a pas joué une promotion qu'elle t'a cherché à moi t'as un mec et toi musique ça pas fait maintenant tu vois même genre avec album non pour okay, musique ça, la jeune pour forcer pour aller plus loin. OK Roberto. Et ça. OK Sanchez tout d'abord me saluer et merci. Avant même que me répondre une question hein, m'a remercier nous tous qui bien bon tout d'abord qui comprennent le travail qui fait là dans vidéo la vidéo son vidéo tout d'abord qui gagne on petit parti comique et la donne et mais en même temps tout qui est très sensuel. Et parce que lui était dans la musique là et faut que nous dit que nous avons un chapeau pour modèle là tout qui est Gaël et qui bien joué rôle là belle bout de femme d'eau en forme en pile oui chaque tombe là un petit là s'il vous plaît pour nous continuer et une interview hein? Allez alors oui confesse et nous avons un coup de chapeau pour modèle là tout qui bien joué rôle là, les Gaël, ils sont haïtiens d'eau. Et je pense que nous avons bien choisi. Et je pense que Lux Media, Abjas, Bidjo, Oyol, toute équipe là, et nous avons concentré nous pour nous faire des bagages qui étaient très romantiques. Ça veut dire que nous, ça différent de vidéo ça avec This Time It's For Real que nous avons tourné en Haïti, c'est que This Time It's For Real, il y a plusieurs. Et location, nous shooté bien en haut, nous avons un hélicoptère, nous avons un goka, etc. Ça, c'est que nous était dans la musique, les vendre la musique pour ça. Et en même temps, nous avons l'autre sympathie et comique, j'aime te dire, nous la donne, qui vient de ballon l'autre couleur. Et c'est que nous avons perdu un peu de temps dans la lighting vidéo, dans la couleur. Ça veut dire que chaque scène que nous avons là, il prend un pile temps parce que faire lumière non vidéo c'est bon bagage facile on est obligé de prendre des experts et dans matière ça dans monde qui compte faire lumière etc. Chaque scène tu prend presque 4 à 5 temps pour échanger lumière que nous derrière qui bail look ça que nous chercher so même là que ouais que pas grand pile location mais nous perdons un pile temps pour nous faire vidéo ça et nous très satisfait de voir du final là et moi que nous satisfait et me dit merci. Il me big up encore équipement qui t'a travaillé avec. So, Mr. Sim. Merci, bonsoir tout le monde, bonsoir et à toute équipe T-Vice là. Moi, j'ai trois questions. Première question, est-ce que sans limite, par exemple, c'est pas un choix, par exemple, de équipe T-Vice en particulier pour
pour dire que peut-être les gens qui allaient aujourd'hui dans Tivaïs, les gens qui parlent encore, ou pas forcément Miss Tivaïs, parce que monsieur que si Régis Musique était là, ou encore si Olivier était là, musique, ça, je pense que c'est au cap chanté. Avec un BPM aussi ralenti, et j'ai une musique là, sensuelle et douce là, généralement, c'est dans le registre que moi, l'autre chanteur. Et je veux dire, est-ce que tu as une volonté pour monter, qu'on a assumé Walter à tout pour choisir chanter sans limite et venir avec le album? Là? Belle question. Ça, c'est une, ou pas une plusieurs. Deuxième, non, c'est. Deuxièmement, ça fait longtemps que Tivaïs venait avec une vidéo côté mesdames qui ont défilé avec une tenue aussi sexy. Moi, cette dernière fois, c'était Bad Boys Lovers peut-être. Ouais. Et est-ce que ça te manque Tivaïs par exemple, sorte de vidéo assez décolletée, décollée ça ou par exemple? Et puis, troisième question, hein, et pendant deux dernières tournées, Tivaïs pas forcément jazz qui était plus chaud en Haïti. Mais Tivaïs était rentré et s'est fait 5, 6, 7 performances quand même, on était joué. Et avec musique, ça a sorti à l'âme, pour Tivaïs. On commence chaud et curieusement, nous allons entrer pour décembre pour seulement deux performances. Est-ce que c'est pour une contradiction? Ok, et belle question, belle question. Tout d'abord, pour me répondre à la première question, hein, et c'était est-ce que nous sans limite tout bon? C'est exactement ça que je devais faire. Et parce que je commence à chanter cette musique, ça a déjà, alors on prend Innocent, on prend. Et tu me touches ou prends et m'gadi pour j'en parler. Haïti pas crasé par un sujet pareil, mais Haïti pas crasé dans la même ligne en termes de tempo, etc. So, le fait que j'en se dis là, le fait que m'de gain peut-être, m'de gain Olivier beaucoup de moi, m'de gain Régie, c'est tout normal pour m'de bayo espace ça. Parce que moi-même, m'de Algérie, espace, et comme si m'de musique qui pire rapide, etc. Mais m'pense que m'de toujours voulu ou rechanter en musique comme ça encore, parce que je voulais montrer mon autre aspect de moi, parce que des fois, je n'étais plus souhaité comme un chanteur compas direct, comme si vraiment compas direct, au lieu d'un chanteur qui a chanté style ça. Donc, je voulais faire un bagage qui est différent pour me prouver jeunesse ça, tout, que mec qui s'est fait, tout, tout. On m'a dit, et ça, nous avons réfléchi, et moi, je suis suivi de très près. Et deuxième question, c'était. Vidéo. Mais l'important, parce que sex sells, comment on dit ça? Ouais, l'Ivan, ça veut dire que dans le moment là, ou pas qu'à arrêter loin réalité. Ça veut dire que dans le moment là, moun kap gade vidéo, moun ki branché, moun ki vle gade vidéo, même sur ton vidéo, on sent vidéo qui aussi est sensuelle. Faut que les gens bagaille qui attire, faut que la garde un bagaille pour dire waouh, garde on dame, garde. Faut me dire, il y a deux trois petits behind the scenes dans téléphone moi que pas mettre dans vidéo, on va cap cap mettre dans vidéo et pour Roberto seulement. Oui. Même si t'as là quand moi la nuit TV. Moi le téléphone moi et bien dit OK, moi cap peut-être montrer deux trois nèg là qui zanmi. Mais pas journal. Même pas mettre le dire, on va faire. Mais c'est pas un homme d'indadio là, exprimé des doublons. Non, mais des parties comme si, que l'un d'affaires qui était très intéressant. Je pense que c'était important de faire une vidéo pareille, qui pouvait vraiment aider la musique là, faire chemin. Et puis voilà. Et troisième question, c'est que, ok, et nous contredisons peut-être nos non-sens, là nous faisons un projet pareil, et puis Jazabal vient à deux mois, et puis nous venons pour deux dates. Je ne pense pas que nous venons pour deux dates. Nous programmons deux dates. 25-26. Mais, normalement, nous gagnons le premier, parce que nous parlons en France pour 27, 28, 29, 30, 31. Normalement, nous quittons le premier 2, 3, 4, 5, 6 janvier ouvri. Ça veut dire que là, nous avons gardé la conjoncture actuelle, là, nous avons gardé qui j'en baille au bralier, nous avons gardé zigzag zagal autour parce que. Vous mettez grand monde sous lit. Et puis voilà, man. Nous allons regarder comment il va dérouler et puis nous quitter toute date ça ouvrir et puis on est là pour nous comment nous allons programmer. Mais nous pas dire que nous avons pour deux dates seulement, nous avons deux dates qui sont sûres qui sont programmées et puis reste date que nous pour venir. Seulement qui avait le bol pour janvier à tout. OK, et ma salle tout. Faut dire font pas regarder Michita. Faut connait date ça seulement qui disponible pour janvier. Janvier qui est en aller. Zagalo, parler chaud. OK. Il reste janvier qui est en book, comprendre. Février qui est presque book. So, ça veut dire que, d'être deviné avec et ce slogan, nous disons stock la montée, là, c'est parce que nous sentons que il y a des gens qui comprennent le travail là, comment c'est arrivé. Et
Et c'est ça lié, man. Faut travailler dans la vie, faut travailler. On ne pas gagner au faux cadeau. Ok, je salue tous les journalistes culturels qui sont là. Donc, nous sommes M. Olfton Benoît Aubé. Je travaille pour l'émission qui est les musiques magiques qui passe sur Internet Radio Magique 9 du lundi au vendredi entre 10h. Faut-il monter volume, monsieur, vous nous battez toi bien. Ok, moi je dis que nous sommes M. Olfton Benoît Aubé. Je travaille pour l'émission qui est les musiques magiques qui passe sur Internet Radio Magique 9 du lundi au vendredi entre 10h et midi. Question par moi, c'est que pour un peu de monde, dernier album T-Vice, comme c'est créé dans 30 T-Vice en termes d'attraction populaire, les relais qui t'aiment vivre. D'ailleurs, dans l'introduction, où tu as parlé de récent, un album Tanko et Le Tourner Plus Fort, par exemple, c'est peu musique qui fait succès sur l'album. Là. Mais par exemple, l'album qui t'aiment vivre, c'est peut-être 5 à 6 musiques, comme si dans le temps, là, tu vas sortir un album qui est pour plus petit 5 à 6 musiques qui fait la ouïe ou qui a une forte attraction populaire. Pendant le dernier album, tu vas sortir, pas que ça. Et qui s'en apprend de ça, et le problème, c'est qui ça? Et qui va le faire que ROSA ou BSA n'a pas arrivé sous troisième album, sous album prochain album qui va le sortir à 10h. Et pour la question que m'a vu poser, par exemple, une vidéo comme ça, qui nous classe comme ça, qui peut l'écouter, m'a bien aimé, et journaliste qui est là, on très bonne et de prix. Et on ne pas parler d'album dans tout. Moi, je pense que vous avez des idées déjà et vous avez des informations concrètes d'album. Là. Est-ce que vous avez un petit album, combien de musiques vous avez sur l'écriture? Merci. Ok. Et belle question. Et nous finissons sur la question. Ok. Bon, je pense que la stratégie, nous, tout d'abord, est de changer. Stratégie de marketing, non? Les gens qui ont vendu la musique, ou quand on que l'entrée fait toi tout neuf là, c'est parce que nous voulons mettre focus là, direct sur toi musique ça. Pour une sensation, si tu mets toi musique sur un album 12 musiques, peut-être qu'il y a qui ne peuvent pas promettre ça, mais qu'il y a qui ne peuvent pas pour la guichard. On va sur là ou pas capable attendre ou pas capable ouais ou nous créons une stratégie côté que tout le monde a pas obligé attendre a pas obligé garder travail là. Deuxièmement, nous pas le travail en équipe, nous pas le choisir monde pour travail, nous avons une série de monde dans chaque côté qui pas le travail avec nous qui pas aider nous mener musique plus loin. Ça important. Ou pas cette stratégie que nous mettez sous pied que nous bien établi nous avant même que nous sortions musique que nous même pas le travail musique nous te créons plein de stratégies. Et parce que l'important. So, et, gros paquet de bagages que nous avons en tête que nous allons faire. M'gadis-nous que, je dis à là, c'est un beau kit plaisir pour moi pour Tiedi retourner dans T-Vice. Tiedi qui était toujours frais, même qui te voulait faire expérience pal. Et, son bagage qui est normal dans la vie, monsieur Talim, monsieur te voulait faire expérience pal. Même si retourner dans l'équipe là, je dis à, et, monsieur plus motivé que jamais. Et m'gadis que Tiedi a pédé mon pile tout. En termes de marketing, en termes de, contact avec la presse dans la RIA, ça veut dire que au monde qui est obligé de checker Roberto tout le temps parce que j'aime toujours connait mon dit qui là avec cap travail qui voulait prendre partie ça en main, ça veut dire que partie promotion gérer comme si n'ajou tout le monde qui ont une question ou bien tout le monde qui t'a rien fait bagaille ou checker dit parce que yo et la privé quand même parce que monsieur son nèg de parole son nèg lari son monde comme si n'a dit qu'il aimait faire bailler au fait so parce que ça son l'autre gouatou que nous gagnons nous gagnons pile l'autre monde dans équipe là tout qui motivé qui le travail so hey parce que là nous pas qu'à faire fly même bon nous très motivé j'aime tout là pour album là même nous gagnons plusieurs musiques qui paraît par contre combien nous va le mettre mais nous qu'a dit on a mettre 8 musiques 9 musiques parce que nous pas voulu mettre trop musique. Nous sentons que nous mettons 3 musiques sur l'album, des musiques qui gaspillent. Peut-être nous avons mis 8 musiques, mais nous sortons l'album chaque 1 an et demi. Ou bien nous mettons. Bon, je ne sais pas qu'on va mettre moins que 8 musiques, parce que nous avons un paquet de musiques qui est déjà paru. Et on dit que nous sortons 8 musiques, mais 8 musiques, mais nous ne pouvons pas prendre 2 ans, 3 ans pour nous appeler sortir l'album, nous sortons des bagages plus souvent. Et je pense que l'important pour les musiciens sortir plus produits, plus et plus souvent, parce que. C'est ça le problème là des fois. Au sort son album, l'album a commencé à monter jazz là, on a la musique qui a commencé et baisser, jazz a baissé, et puis qu'on a gagné pour remonter pendant temps. Tout le temps on a baissé, remonter pendant baissé. So, si tout le temps on a sorti musique, ou toujours être dans nos oreilles, mon yo, jazz a toujours été en demande, laisse pas besoin de faire tout le travail pour faire pour des fois pour baisser et remonter pendant temps. So, je pense que faut que la stratégie nous change, et pas seulement T-Vice, c'est business là en général, pour nous sortir bail, puis souvent. On prend un produit, et puis souvent, il faut commencer à penser différemment. Bon, c'est important. Yes, Mathieu, I'm sorry, you want to? Il faut me faire parler, non, pas de problème. Tout le temps. Pas de problème.
Bonsoir tout le monde. Non pas c'est Shirley Clermont. Moi c'est animatrice une émission qui est l'école Lagué qui passe sur Magic 9 chaque jour de 2h à 5h. Moi pratiquement une question mais en fait deux questions. Première question okay. Sortie non question que JMS était posée tout à l'heure par rapport au fait que il estimait que ou chanter des musiques maintenant qui ont genre slow, des musiques sexy, etc. Et le thème d'eau, est-ce que, justement, l'idée, c'était pour montrer que le chanteur qui était là avec Ouyo, qu'il n'y a pas manqué de jazz là. Maintenant, question que je me pose par rapport à la question, ça m'est bien côté répondre. Est-ce que ça veut dire tout que pas gain aucune possibilité, porte la pas ouvrir du tout, et à aucun moment de la durée, nous pas pour parler avec un autre chanteur quelconque? Pour ta vie devant jazz là avec vous? Ça c'est première question. Deuxième question, évidemment, moi pas un expert en musique. D'ailleurs, pas vraiment gain trop temps dans le domaine là, évidemment, m'étudier communication etc. Mais par rapport à trois musiques ça au qu'on sorti et par rapport à critiques qu'on peut-être joindre déjà et de l'autre des animateurs ou bien des monde qui dans le domaine là puis longtemps passé mais qui compte musique. Est-ce que vous estimez que musique ça ressorti à la hauteur de musique que T-Vice qu'on sorti déjà yo, à la hauteur de T-Vice en lui-même. Donc c'est deux questions ça voilà. OK. Et pour me répondre première question hein, tout d'abord merci. C'était première question femme son j'ai dit. Oui. Pas une possibilité pour nous est-ce que porte la ferme pour non, pour est-ce que non, est-ce que est-ce que c'est pas un genre pour montrer que chanteur pas là yo yo pas manqué de jazz. Bon, mais c'est que tout le monde t'a fait tout le monde t'a I mean, ou pas jamais dans la vie ou pas jamais minimiser travail personne. Alors c'est que nous reconnaître le talent tout le monde, nous reconnaître le travail que t'a fait, ou bien bon ça qu'arrivé que nous pas qu'à travailler ensemble encore. Mais tout ça qu'arrivé tout que faut montrer mon yo public nous en tout que gros espace que m'dé qu'on rempli, mais pas continuer rempli parce que m'dé voulait créer. S'il vous plaît. Kevin Silva, mon silence. Manifestation derrière, s'il vous plaît. N'a fond si quand il n'a frappé tout à l'heure encore. Et m'dé voulait peut-être montrer mon que gros espace que m'dé négligé moi personnellement en tant que chanteur que hey, m'dé fait et m'ka faire encore. M'dé voulait prouver ça. So et non, pas rien que m'te dit depuis tout à l'heure, m'pa jamais fermer porte. M'pa me fermer porte pour personne. Et m'pa me fermer porte moi à rien. Ça veut dire que ou pas dans la vie ou pas me compte qui ça peut arriver. Même gens que m'te rencontré Olivier. Là moi rencontré Olivier Durette, c'était dans football, pendant n'a joué football, les ça et James Cardozo était venu un problème dans yeux, monsieur t'a opéré et puis Olivier dit yo petit, me compte chanter. Je dis monsieur oh bon le football va jouer la journée là quand on chante monsieur dit moi on chante amica là et ça on dit monsieur OK n'a joué Orlando son et ça nous t'a joué Orlando les ça on dit monsieur que n'a joué Orlando Kenza les ça c'était comme musique qui chaud qui était c'était musique et c'est une musique tantan pam 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 dit monsieur apprendre musique ça nous pas jouer musique là Orlando bon moi son cabay monsieur apprendre musique là vraiment les niveau Orlando nous frapper bas monsieur commence à chanter Ronaldo dit oh c'est comme belle tivoire même. Bah mais laisse ça m'a bien zou monsieur campé devant jazz là mi quoi terre bah monsieur ba mon do ba chai ba so nous vinn travailler ensemble et puis monsieur vinn pour 1900 gain bon ben c'est comme ça tout nous gain bah on connaît sous chemin nous gain contre l'autre monde comme ça mais en attendant ça qui est sûr d'ailleurs c'est que nous satisfaits de l'équipe que nous gain là nous content de l'équipe que nous gain là nous aimer vibe qui existait en dans groupe là nous aimer atmosphère là nous aimer ça que n'a créé nous aimons gens que nous y connait stabilité qui existait so, et nous pensons que n'a prend ça et puis nous bra lavel nous t'ai dit tout à l'heure tout par contre sous te convini que gen Chukito qui jouait ensemble avec tout monsieur second vocal sérieux et nous pensons que gen monde qui va découvrir Chukito sur album là so, et nous gen pile l'autre bagaille gen pile l'autre option que nous gagne que nous beaucoup dévoiler so, et bah ça va venir et l'autre question en tout c'était est-ce que je suis satisfait du feedback que je recevais jusqu'à présent? Oui, je suis super satisfait. Et il n'y a pas souvent pour me joindre une réaction qui est aussi rapide à partir de musique qui est sans limite. Là. Musique ça, qui est une vidéo. Là.
Et je pense que c'est une musique depuis qu'elle est tombée. Bao! En pile monde, sous premier temps, il a accepté le guitare ML. Et une série de monde, une série de jeunes, qui pas tendé, qui presque pas tendé compas encore, c'est techno, il y a peut-être une machine de boy sur l'autre bord, qui a fait snap, qui a dit, oh wow! Dernier musique qui va être ça, sans limite, wow, wow. So, ça montre que la musique, ça a commencé à faire un travail. Et je pense avec vidéo, il peut faire le travail que tu as supposé faire. Et même j'ai tout pour promesse, quand le monde qui écrit, qui dit, qu'est, artiste, ça c'est histoire, moi, pour raconter, qu'est, moi, même musique, ça amène, qu'est, musique, ça touche, et l'autre qui joue la guéchate, ou DJ Tony Mixlop, je mettais sous story, musique la guéchate, que monsieur qui a commencé à tune, monsieur qui a cherché, cue, bagaille, mais qui ça le fait, monsieur écrit, monsieur dit, yo, ouais, musique, ça, moi, le montre, qui ça le fait pour moi, descendre dans ce que monsieur qui est en, ouais, on paquette l'autre DJ, DJ Fanfan, etc., on paquette l'autre DJ, tout qui écrit, qui fait me connaître. Parce que jusqu'à présent, musique, il y a 2 semaines seulement. Maintenant, 2 semaines, pour 2 semaines seulement, je suis super satisfait et je me suis dit que la musique ça, il y a eu le chemin. Il a poussé jusqu'au bout. Dans toute bonne chose, il y a une fin, donc nous mettons fin dans tête à tête là, mais par contre, nous connaissons les médias qui veulent faire une interview à part avec Roberto, que ce soit Ticket, que ce soit Compagnie 20 ou Fridley ou Juno 7. Roberto et Thierry, ils sont disponibles pour vous. Mais là, nous voulons remercier tout le monde de la presse qui était présent, que ce soit Toto Beat, Fiddler Next Lighting et compagnie, que nous voulons remercier dans le cas là. Ouais. Inégalable, Event Specialist, et nous voulons remercier et Inégalable, nous voulons remercier Fabiola et Astrid, nous voulons remercier, moi, remercier surtout Zigzag, parce que c'est pas de temps. Nous pas taper café contact là, pour nous dire, you know, Jiri Bayo, je nous fais là. La Madre, Jesse Alcal, et avec toute l'équipe là, Roman qui travaille avec nous, Caribé Hotel, et merci. Et dis-nous tout merci encore. Guys, nous tous, la nous remercier tout Impact FM qui l'a, et IFJ, Philippe Jasmin, qui était une question, mais malheureusement, est arrivé. Le musée est fini. Et nous avons accordé maillot dans un premier temps avec la presse. Nous avons priorisé la presse. Maillot, Tivaï, Seguin Bleu, Gain Noir, Gain Blanc, la presse. Tout d'abord, après ça, m'a fait fanatique. Assez souvent, la presse victime, la presse vient couvrir, et puis le baril maillot, le baril n'a rien. Il y a un job, il y a clé, clé USB. Il y a un flash drive qui est une vidéo, ni musique. On a priorisé la presse avant, après c'est bien fanatique à jouer. Merci, Chanel Pou. Merci, guys. Et puis, merci de toi, Journal Pou. Merci, compas Boumou. Compas Event, Snagala, Fridley. Alors, allez, à la prochaine. Donc, merci. Décontent à nous.